Salut, c'est Mouchou et bienvenue à ce Mousu Shaman avec ses nouveaux personnages, les personnages de Silver Flame. Donc comme on voit, enfin, encore un petit peu de nouveaux personnages. Deux, on va dire, qu'on pouvait s'attendre. Le troisième, effectivement, qu'on s'attendait aussi. Effectivement, donc vous savez bien quel. Donc là, actuellement, on voit qu'on a donc une nouvelle Soifon. Donc toujours aussi pété qu'avant. Donc pour les fans de Soy. Ah ben c'est un petit bonheur hein. Exemple, un de mes koai, quand il a vu ça, il a fait oulala, happy. Donc là on voit qu'elle a des stats quand même correctes et qu'elle est plus dans le côté pression spirituelle. Donc ça annonce à mon avis une Soifon qui va envoyer pas mal d'attaques assez rapidement. Donc par rapport à ses gameplay, on voit en plus que ses attaques puissantes sont à cette zone. Donc ce qui la rend quand même très très pratique, je pense bien. On voit aussi qu'en plus elle possède un dot de feu. Donc c'est pas négligeable non plus quoi. Ensuite le côté Shinji, bah Shinji aussi, fidèle à lui-même, là ils ont fait un run on va dire, oui, alors puisqu'il est équilibré, un petit peu plus en pression spirituelle on dirait, d'après les stats. Donc là c'est vrai que là ils ont fait le Shinji masqué, donc ça c'est vrai que c'est cool d'avoir un nouveau petit Shinji un peu remis à jour, puisque quand même ça reste un des personnages quand même assez emblématique de la série quoi, donc et en plus là ils ont mis un soul trait quand même super intéressant, 25% en attaque puissante, c'est pas négligeable. Donc ils doivent envoyer du chaud patate. Côté bah, nouveau qu'on peut dire maintenant, puisque là c'est lui vraiment le nouveau de ce gacha. Donc Ryoken, hein, papa Aishida, disons. Donc là ils l'ont rendu effectivement en mode, je m'impose quoi, j'arrive quoi. Donc ils l'ont mis des bonnes petites stats, donc vous voyez que l'attaque elle est pétée quoi. 754, ça envoie du lourd, et surtout quand on voit après ses capacités, déjà le soul trait, magique, ça on adore ça. Et qu'après derrière on voit qu'on augmente ses attaques normales de 50%, on fait ok. C'est pas on va dire le flurry, qui permet d'avoir attaque double, enfin attaque double, une attaque supplémentaire sans le normal. Mais bon c'est quand même 50% quand même, c'est quand même 50%, c'est pas rien. Après derrière en petit changeant, c'est vrai que là il n'y en a pas une brise garde, on a une brise lame. Bon ben c'est pas si mal qu'on va dire, au moins l'adversaire quand il lance ulti, ben il fera pas bobo quoi. Mais bon, je pense qu'il aurait peut-être pu mettre un truc plus sympa quoi, par rapport à Ishida etc. Un truc un petit peu plus badass encore. Mais bon, on va pas se plaindre déjà, c'est super bien quoi. Et côté des fillers, donc là ils nous ont remis, effectivement vu que c'est une session on va dire du Shinigami disparu, forcément ils ont remis les personnages en filler de Shinigami disparu quoi. C'était un peu logique dirons-nous quoi. Et donc, effectivement, le Toshiro, le Blue, donc c'est de là que j'ai déjà. Yukio, il serait un peu de sympa aussi à voir. Hein. Ikaku, il a toujours son boost, donc ça reste toujours un personnage intéressant. Nanao, une ulti très intéressante. Donc, en plus, la dernière fois, j'ai voulu tenter et procéder de l'avoir, je l'ai pas eu. Alors, ça peut être toujours sympa aussi de tomber dessus. Et Nemu, que j'ai déjà. Ouais. Donc, ça nous fait un ensemble quand même assez correct et sympa, j'ai envie de dire. Et on va retenter encore la chance. Ouais. Donc cette fois-ci je vais faire comme d'habitude, je vais faire un lance mythique et silver au début. Donc pour changer d'habitude aussi, c'est pas vraiment changer d'habitude, mais pour augmenter on va dire mon petit côté chance, cette fois-ci au lieu de faire 50 tickets comme je faisais habituellement, je vais en faire 70. Pourquoi? Parce que tout simplement la dernière fois j'ai remarqué j'avais fait mes 50 tickets et qu'après en fait j'avais fait deux tirages de 250 où je n'avais rien eu. Et c'est le troisième après j'avais eu quelque chose. Donc si on considère ça, c'est comme si j'avais fait 7 tirages on va dire à blanc. Donc c'est le tirage à blanc, c'est 70 tickets. Voilà, simplement. Allez, c'est parti pour les tickets. Je suis pas conventionnel, fais des paraboles pour que tu touches ta télé. Je dis pas comment son âme, on essaie de l'acheter, mais viens de ta télé. Si tu trouves ça fêlé, si tu daignes t'acheter-le. Dernière frame, t'as peut-être l'air d'un discours de ta gueule, c'est les. Fourrure, t'adore, trop luxe, pas drôle, fourrure, pas chole, elle. Devant le miroir, j'ai une sale tête. Devant ma mère, je suis un gars bien. Au bout du bras, j'ai un casse-tête. Au bout de la tête, je suis un gamin. Tu te sous-estimes, tu pourrais vivre une nouvelle vie juste pour plaisir. Je me tue jour et nuit juste pour écrire. Tu toutes les qui tuent tous ces types. Les mots sont limités, si je pouvais, je rapperais tous mes sentiments. J'ai grandi en compagnie des gens qui mentent. Maintenant qu'ils aillent tous se faire enfiler gentiment. On éveille chaque jour une révélation. Dès le réveil, ma vie, une célébration. Tu parles, vas-y, fais des actions. Mais le bout de la nouvelle génération.
Que je suis dans la pute, ma blesse. Avec Mélo sur le beat, ça blesse. Pour mon équipe, j'ai blesse. J'vais saouler, j'quitte la terre. J'vais rouler, j'vide ma tête. Non, pas délicatesse. Juste baiser tout ce qui la met. Pas qu'on soit ma père, tout est perdu de baiser. Je consomme cette terre, c'est clair, de baiser. Fuck cette merde, je pète un fusil. Fuck cette merde, je pète un fusil. Billet, t'as vu trier dans le flou. Riez, bande de vie, j'vais vous chier dans le cou. T'es grillé, je t'ai rié, t'as trop plié dans le mou. Au son, on est lié, faut te filer plus. Non, les gangs. Flow is so sweet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Donc ça y est, j'ai tiré les 70 tickets. Et donc on va passer maintenant à la phase qu'on attend tous, hein, la phase du tirage. Donc là j'espère avoir directement un 5 avec cette technique et après avoir le bon 5 et quand j'aurai le personnage que je veux, je pense que j'arrêterai. On lance les énergies, on sent la Silver Flame monter et le 5 étoiles arriver. Ouais, bon. Ouais, d'accord. C'était un 5. Mais bon, malheureusement, c'était pas le 5 attendu. Bah, il voulait me donner le Lisso Gaia, il me l'en a donné. Hein. Mon Toshiro Violet, maintenant, est SP5. Ouh, attends, SP6, ça existe? Je crois pas, hein. Ouais, bon, c'est pas top. Là, je vous avouerai, j'ai un petit peu les glanglans, parce que je suis content dans le principe où j'ai eu deux personnages, effectivement, qui tombent, enfin, deux 5 étoiles qui tombent sur un premier tirage, donc forcément, quelque part, c'est un peu exceptionnel, quelque part. Mais, les boules, pas déconner, les boules. Qu'est-ce que de Toshiro Violet? Dans la série qu'il y a, j'ai que deux personnages. Non, trois. Faut qu'il me donne deux Toshiro. Bon, j'ai déjà fait ma technique de reroll quand j'ai eu un 5 étoiles, vous savez bien. Hein. Rerollons. Sinon, sérieusement parlant, on va dire c'est quand même pas si mal, ma technique a quand même marché avec la 70, hein. On l'a bien vu. Allez. Un autre 5. Un 5 de l'affiche. Il y a un bug dans le système, parce que là, je sais pas, vous me direz, là, il y a un bug, pas possible. Il me donne que du Toshiro, faut pas déconner. Non mais sérieux, j'ai les... c'est... Ah, c'est de l'abus quand même, là, c'est de l'abus. Ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir brasser encore un petit peu pour essayer d'avoir directement notre 5. Je vais utiliser les 22 tickets qui me restaient de tickets silver. Allez, parti pour du silver et rebrasser tout ça parce que là, faut pas déconner, là il m'a donné du Toshiro en masse là et c'est quoi ces bêtises? Allez, yes, on y croit. Je casse
grâce à mon poignet pour créer le mood. Je te cuisine des trucs, direct ta trouve. Le truc est bouillant, donc t'as ouvert ta bouche. Y'a pas le time, donc je débite, je veux la maille. De Big Billy, pas de black, donc je kill it classique. T'es le jean Billy, toute la vibe. Aïe, Philippe, pète la boîte, je suis un pédé qui t'épate. Si t'as feeling, on débarque et t'es fini. Tremblement de terre, renversement de mer, solitaire, jamais. Donc, comme vous avez pu vous en apercevoir, j'ai pas fait mes 22 tickets. J'en ai fait 20 parce que le chiffre me paraissait plus sain. Et là, je sens le 5 arriver. Ryuken, rejoins-moi. Omae, nani yotteru ka wakatte no ka? Bon, je vais te contrôler, c'est bon, c'est quand même bon, c'est bon. C'est du bon, c'est un des personnages de l'affiche, j'ai dit qu'il y a un personnage de l'affiche. Mais il m'énerve avec Zombie. Mais cassez-vous avec Zombie, lui, quoi. C'est un truc de dingue. Bon, j'ai un nouveau personnage, j'avais annoncé que j'aurais mon personnage de l'affiche. Bon, c'est Ryuken que je voulais. Je vais pas me plaindre parce que Shinji, quand même, il a ses avantages, donc faut pas non plus le négliger. Est-ce que je tente? Technique de reroll, et je tente. Bon allez, soyez cool, un petit Ryuken. Donc là, j'envoie mes dernières énergies sur ce dernier 250. Et je vous le dis, j'espère vraiment avoir Ryuken. J'espère. Je souhaite. Je veux. Ce personnage fameux. Parce qu'il irait bien dans ma team, quoi. Il irait super bien dans ma team. Shinji, c'est bien, tu rejoins l'équipe. Maintenant, il me faut l'autre. Il faut qu'il rejoigne l'équipe. J'ai fait ce qu'il fallait pour Ryuken. Come on. Tu viens. C'est pas Ryuken, mais je la voulais aussi. Oh, excellent. Ah, excellent. Bon, un violet pour un violet, vous me direz. Un violet pour un violet. Ouais. Mais quoique, vous me direz, c'est pas encore terminé. On sait pas encore ce qui peut tomber encore, là. Allez. Ressens-moi à 5. Et là, si tu me fais péter Ryuken, je fais péter le champagne. Allez, je vais même pas appuyer sur l'écran pour vous dire. J'ose plus appuyer, j'attends pour voir jusqu'au fou, là, jusqu'à la fin là. Allez, c'est le dernier espoir là, je crois. Je crois pas. Bon, bah tant pis, hein. Je crois que là, je pense que c'est. Ouais. Bon, bah c'est pas si mal. C'est pas si mal, j'ai envie de dire, c'est pas si mal. Et en plus, ce qui est très marrant, j'étais persuadé qu'ils allaient me filer Nanao sur ce gacha. J'étais persuadé qu'ils allaient me faire ça. Ah là 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 là. Ah. Donc, voilà, pour ce gacha Silver Flame, j'ai dépensé donc 1000 orbes. Donc, je m'en tire pas si mal. Comme vous voyez, j'ai quand même eu 4-5 étoiles qui sont tombées. Donc, bien évidemment, deux Toshiro qui font que maintenant, mon Toshiro, il est passé maintenant à level SP5, hein. Ouais, attaque spéciale 5. Ouais, surtout qu'on va dire qu'il me sert pas à grand-chose maintenant. Mais bon, je pense que vous êtes un peu comme moi, vous avez certains personnages aussi comme ça, qui sont montés en SP, qui sont dans un coin en train de pleurer, et vous dire, mais pourquoi? Et donc là, sinon, voilà, chose contente, voilà, j'ai eu Mananao que je voulais la dernière fois que j'avais pas eu. Donc là, je vais pouvoir tester une nouvelle stratégie pour mon PVP que je voulais faire. Et là, c'est quand même cool. J'ai le Shinji de la tête d'affiche, donc j'ai quand même réussi à récupérer un des trois. Je ne vous cache pas,
Je pense que je vais sûrement rééconomiser encore mes orbes, donc par rapport aux deux personnages, puisque là ça va me faire du 250 orbes. Donc déjà ça va être un tirage encore faisable. Là on a l'event à points qui nous permet déjà minimum de récupérer 100 orbes dans les gains. Plus après tout ce qu'on a, on va dire, à faire à chaque mission qui fait gagner des orbes. J'ai pas encore terminé l'histoire, la dernière partie de l'histoire. Donc il y a possibilité de peut-être avoir de nouveaux 500 orbes. Et je pense que je vais sûrement retenter de nouveau ce gacha là, parce qu'il est quand même intéressant. J'ai encore pas mal de personnages que j'ai pas, autant dans les filaires que dans la tête d'affiche. Et je sais pas, je vais peut-être retenter une deuxième fois pour essayer de choper Ryuken. Parce que bon, celui-ci m'intéresse vraiment vraiment. Pour le personnage, pour le soul trait et pour ses caractéristiques. Donc, à voir. À moins que peut-être il se fasse une annonce prochainement de nouveaux personnages pour le milieu de mois. Mais bon, là, on est encore un peu trop tôt pour savoir ce que ça va être. Je sais pas, je me tâte. Bon, à la limite, vous pourrez me donner sous votre avis ce que vous en pensez, s'il vaut mieux retenter ou si on attend pour voir les prochains. Parce qu'il peut y avoir des beaux prochains aussi. Ça, c'est compliqué, les gachas, je vous jure. Et surtout, c'est compliqué de réavoir ces orbes après qu'on est à ce niveau-là, quoi. Ouais. Bon, des choses qui arrivent. Donc voilà, donc Mushu est quand même content de ce gacha. Il récupère des nouveaux personnages et des personnages et un personnage qu'il avait échoué la première fois et là qu'il récupère. J'ai pas eu ma cible, soit, mais j'ai eu un Shinji. Donc on va dire, ça récupère un peu la famille puisque j'ai quand même. J'ai les autres Shinji aussi. Donc, Shinji Family, hein. Que je voulais que je vous dise. Là, je vais le tester, voir un petit peu ce qu'il vaut, mais je pense qu'il promet lui aussi. Hein. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, comme d'hab, on met le petit like. Pareil, si vous êtes des nouveaux, on va dire, à découvrir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je couvre divers domaines, aussi bien les tutos que les événements comme les loteries, etc. Et n'hésitez pas aussi à visiter mes autres liens de partage, comme ma page Facebook ou la page Facebook du groupe. Ou la page Facebook du groupe, c'est vrai que je me trouve très régulièrement. Vous avez aussi le Twitter. Par le Twitter, là, je vais essayer de le développer un petit peu plus au fil du temps pour mettre plus un petit peu d'anecdotes, de petites infos un peu à gauche, à droite, que je mets pas forcément sur les autres plateformes. Et bien évidemment, n'hésitez pas à aller aussi sur mon compte Tipeee si vous avez possibilité de pouvoir faire un don pour la chaîne, comme ça qui pourrait vraiment la soutenir et donner un coup de boost encore supplémentaire pour les différents projets que j'ai en tête, justement, qui, je pense, vous feront plaisir. Voilà. Donc, c'était Mushu qui vous dit tchou tchou.